la famille, les gens que je ne connais pas. On se retrouve dans un nouvel épisode. Voilà, là je suis à Sixt sur Arf. Vous verrez un camping, le camping Cap Fun, Antrest à Sarzeau. Donc on a fait un concert là-bas avec Mario et Alvaro. Et puis hier soir, on était en concert à Port-Cruesti, dans un resto qui s'appelle Le Cargo, là, c'est sur le port, c'est super. Là par contre j'ai fait une petite vidéo quoi, du concert, donc vous verrez ça. Bon, c'est une petite animation gentille, voilà, on a joué acoustique, peinard, quoi. Et puis bah, donc je me suis arrêté ici, là, à Six-sur-Arf, parce que j'ai rendez-vous avec mon collègue Julien et mon ami Julien pour aller faire une animation dans un cocktail de mariage. Donc là on va faire du jazz en duo, donc guitare contrebasse. Je sais pas où je vais dormir ce soir. J'ai vu, étant donné que Chloé et Jeanne sont pas là, que Clémence allait chez sa mamie. Donc je sais pas où je vais m'arrêter. Je vais essayer de trouver un endroit cool au bord du canal de Nantes à Brest par exemple, ou je sais pas où encore, peut-être aux plaines de Mazerolles. Bah, je sais pas où. Bon, allez, allez, ciao, ciao, ciao. Donc voilà, nous voilà au camping. Alors, j'ai pas filmé hier soir. Pris par le temps parce que fallait installer le matériel et tout ça, faire la balance, manger, faire le concert. Et puis en fait, là, les gars, ils sont en train d'installer pas mal de structures gonflables pour les enfants. Bon, il est carrément cool ce camping, franchement, faut venir, quoi. Là, il y a les jeux, il y a un peu tout, hein. C'est un camping Cap Fun. Voilà, il y a le directeur qui s'est caché derrière la haie. Donc il m'a gentiment autorisé à rester ce soir, parce qu'en fait ce soir avec les gars on joue à Port-Cruesti, donc c'est pas très loin d'ici. Donc je pense que je vais rester là, enfin c'est même sûr quoi, je vais rester là ce soir. Puis qu'est-ce qui va se passer? Direction Port-Cruesti, je vais essayer de faire des images bah, du port, des bateaux. Je sais pas si je pourrais prendre en vidéo notre concert. Donc ce soir c'est pas jazz, hein, c'est Latino-Caraïbe. Donc Latino-Caraïbe avec Mario au percu que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et un nouveau gars, enfin un nouveau gars qu'on connaît depuis longtemps, mais enfin Alvaro qui est du Venezuela, qui est spécialiste dans la musique un peu Latino-Caraïbe. Cumbia, cha-cha, tous ces trucs-là, quoi. Il fait de la harpe vénézuélienne, c'est impressionnant. Voilà, tranquille. Bon, ouais, je vais aller faire une petite sieste et puis après, prendre une douche, se changer et aller au boulot. Voilà, Auguste est là, nickel. Pas de problème, il y a les gars, ils sont là-bas. Voilà, il y a les structures gonflables qui vont être installées pour les enfants. Ah non, mais il est excellent ce camping, il y a des animations toutes les soirs, tous les soirs. Tous les jours, tous les soirs, il y a des trucs, c'est super. Et voilà! Après une bonne sieste, je crois qu'il est l'heure d'aller bosser. Donc, direction Port-Cruesti, je suis toujours au Antrest, le camping Antrest, super camping là. Aujourd'hui, c'est un peu de la folie, quoi. Ils ont installé des jeux gonflables un peu à la japonaise. Je sais plus comment elle s'appelle cette émission. Enfin bon, c'est carrément du délire. Là, il y a plein de monde, ils sont en train de. Ils sont en train de se faire glisser dans un torrent de. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, fidèle public de hier soir, salut, c'est filmé, hein. Salut les internautes. Sympa le gars, il a pas arrêté de danser sur tout le concert. Bien cool. Ah, monsieur le directeur, c'est filmé, hein. Je te fais de la pub, hein, Jonathan, Cap Fun. Anne Trest. Allez. Direction Port-Cruesti, on va aller filmer les bateaux. Voilà, l'accueil du Cap Fun. Yeah! Avec nos hôtesses d'accueil, super sympa. La piscine, les espèces de toboggans énormes. Voilà, bienvenue au Antrest. Ah, alors est-ce que y a notre pizzaïolo favori qui est là? Je sais pas. Ah non, Philippe n'est pas là. Bon, je vais quand même vous montrer là où on fait nos concerts. Alors, nos concerts se font là, sur la petite scène, qui est juste ici. Bon, moi, j'ai pas filmé hier. Hein. Là, il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut.
Ok, donc ici on est dans le bar du camping. Donc c'est là où on fait nos pauses quand on fait nos concerts. Là, il y a Margot qui est arrivée quand cette année. Donc tu viens de Lyon, c'est ça? Waouh, comment j'ai de la mémoire. Donc Margot, super sympa. Tu vas filmer Philippe? Là-bas il y a Philippe. Philippe, c'est notre pizzaiolo qui fait des plats. Des plats fantastiques. Je peux te filmer, Philippe, ou pas? Si tu veux, mais... C'est pour ma chaîne YouTube. Ah, c'est pour toi. C'est pour ma chaîne YouTube. Oui, bah vas-y, oui. Ouais, ouais. Alors, Philippe, Philippe qui est là tous les ans, et qui vient de Montpellier... Non, entre Carcassonne et Toulouse. Entre Carcassonne et Toulouse. Voilà, bah tous les ans, il vient faire la saison ici, voilà, au Cap Fen. Il nous fait des super pizzas. Ouais, hier soir, j'ai pris des moules frites au curry. Énorme, super bonne. Ça te plaît ou pas alors le Cap Fun? Ouais. Oui, très bien. Sarzeau, c'est cool, la Bretagne. Très beau coin, la presqu'île. Bah ouais, c'est magnifique. Toujours beau, toujours ensoleillé. C'est magnifique. Ouais. On dit que la Bretagne il fait moche, mais non, c'est pas vrai. Bon, bah allez, du coup, nous, faut qu'on aille bosser, donc direction les bateaux. Allez, c'est parti. Et voilà, nous voilà au Super U de Sarzeau. Alors le Tour de France est arrivé par ici, hein, je crois, c'est en début de semaine. Donc, il y a eu le Tour de France. Là, on est dans la voiture de Alvarito Alvaro. Et on va à du Venezuela. Port de Cristi. Port de Cristi. Et voilà, ça va être super. Encore une sacrée soirée. Sacrée soirée. Ça va être une sacrée soirée. Il fait beau, il fait combien là? Oh la vache. Il fait 29 degrés. C'est ce que disait Philippe. Il disait. Il manque que les palmiers, hein, les cocotiers, tout ça. En fait, en Bretagne, il fait beau. Hein. Ben bien sûr les gars. Voilà, là on est à Sarzeau, donc on va dans la commune d'Arzon. On va passer bientôt dans la butte de César. La butte de César? Ouais. Ah ouais. Tu connais, ah bah c'est Saint-Gilda de Ruiz. Oui, on est sur la presqu'île de Ruiz. Ouais. Non, je connais pas, c'est quoi l'histoire? Là il y a les trucs, il paraît que c'était quand les Romains se sont battus contre les Vantais. Et c'est ça, à vue d'en haut, là ils voyaient tout la bataille, c'est pas du tout. Ah oui, d'accord, ouais, je connais pas. Ça s'appelle la butte de César. La butte de César. Ouais. Cesare. Quand on passe devant, on s'arrête pour que qu'il est écrit. Sarzeau. Comme ça, les gens qui veulent venir voir la Bretagne, qui vont visiter ça, la Bretagne c'est une belle région, très très belle région. Ah bah bien sûr, c'est magnifique. Bah là on est Sud-Bretagne, hein, on est dans le Morbihan. Oui, c'est les tropiques de la Bretagne. Ouais. Mais en même temps, par chez nous, in LA, on est un peu en Bretagne, historique, on va dire. Ouais. Là c'est encore plus Sud-Bretagne. Hein. Ouais. La Bretagne va jusqu'à Clisson et jusqu'à Bourneuf-en-Retz. Parce qu'il y a eu... Le marais breton, ouais, à Bourneuf-en-Retz. Voilà. J'y étais dans une dernière vidéo des voyages d'Auguste. J'y suis allé il y a un mois, un truc comme ça. Tu vas regarder. Le petit mont. Le petit mont. Voilà. Après, on va aller plus loin et normalement il y a la butte de César. Alors attends, je vais filmer un petit peu l'histoire. Vas-y, mets-toi là-bas. Voilà, le monument Mégalithumiac, voilà. Le tumulus de Tumiac, autrement connu sous le nom la butte de César, aurait selon la légende servi d'observatoire à César lors de batailles navales qui mit fin à la puissance des Vénètes en 56 avant Jésus-Christ. Il s'agit en fait d'un monument funéraire d'époque néolithique de la fin du 5e millénaire avant Jésus-Christ. C'est énorme. Le tertre de 86 mètres de diamètre, de 20 mètres de haut, constitué, tu veux y aller? On y va. Allez, on y va. Bon bah allez, on y va. Et voilà, au milieu des champs, et voilà, c'est ça, il y a la butte de César. Et c'est là où tu le vois, la bataille navale, du côté où il y a les... Ouais, ouais. Ouais, une bataille dans le golfe, en fait, à Port Navalo. Les Romains contre les Vantais. Tu vois, et de là-bas, il paraît que c'est un... Excellent. C'est un site néolithique. Ouais. Et les gens montent jusqu'à là-haut et tu peux voir tout le panorama. Ah, ça va être beau. Ouais, ben on ira un autre jour.
Parce que là, faut qu'on aille bosser, Alvaro. Ah ouais, là. Quand même. Ouais, faut qu'on aille bosser, faut les gars. Quand même un peu. Ouais. Voilà. Excellent. Ça, c'est typique latino-américain. Hein. Ouais, on c'est s'arrête. C'est horrible de travailler. Ouais, mais hey, Alvaro, dans les voyages d'Auguste, c'est toujours un petit peu culturel. Il y a toujours un petit peu de culturel. Est-ce que tu sais pourquoi les latino-américains sont si petits? Non. Tu sais pas? Ah si, tu m'as dit un jour, mais non, je m'en souviens plus. Tu te souviens pas? Ouais, faut dire aux internautes. Bon alors, parce que quand nous on était vraiment petits, bébés, nos parents nous disaient tout le temps, mon petit, quand tu seras grand, il va falloir travailler. Oui, c'est vrai, c'était ça. Tout ça. Allez, c'est parti, on va aller voir les bateaux. Après la butte de César, oui, les bateaux. Voilà, port du Cresti. Nous, on va jouer dans le bâtiment qui est en face là-bas. On bosse là-bas ce soir. On va faire notre concert tranquille. Et là, c'est ouais, il y a les bateaux. Et voilà, la vue sur le port. Attention à toi, par contre. Et là, on est au cargo avec monsieur le patron qui est là en train de travailler. Puis bah nous on va pas tarder à monter aussi la sono. Alors c'est bien le cargo ou pas, ouais, chef? Ah ouais, on y mange bien, c'est magnifique, la vue est belle. Et puis il y a de la bonne musique aussi. Ah là là, dire que Chloé elle part sur Tinocha ce week-end en Océanis 47, ça donne enfin. Les voyages d'Auguste, c'est une chaîne de camping-car, c'est pas une chaîne de bateau, mais enfin bon, je vais l'appeler quand même pour qu'elle prenne 2-3 images pour le montage. Je sais pas où ils vont, à Ouessant je crois. Ah là 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 là. Coucou les internautes. Alors on est où là, Jeanne? On n'est pas sur Bubuse. On est où alors? Sur Tinocha. Sur Tinocha, c'est qui Tinocha? Le bateau. Le bateau, oui, de Olivier et de Valérie. Oui. Et aussi de Titou, Nino et Chat. Tinocha, voilà. On est parti de Brest et on va à l'île d'Ulte. Hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant la sieste alors? Je me suis cogné dans le mur qui était en bas. Ah ouais, parce qu'on a viré de bord. Eh oui. Alors on va montrer un petit peu après la mer et le vent. On est parti de Brest, il n'y avait pas du tout de vent. Et puis là maintenant on va à plus lumineux, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bon bah bisous les internautes. Bisous, bisous. Bisous papa, bisous Clémence. Nous on est que toutes les deux. Ciao. Et voilà, on vient de finir le concert. Donc c'est génial, on a rencontré des Anglais. Steve, you want to say some words for my YouTube Hello. Channel? I've really enjoyed playing with you tonight. Yeah. And I look forward to seeing you in Cornwall. Cornwall.
And we'll play some jazz in Cornwall. Yes! Come and tour with me. I'm agreeing. I love it. I would love it. Am I you? I'm sorry. Sorry. I will tell the Pulula. Man. You want to say some words? So lovely to have met you. I love you. Oh my God, I'm all right. Le voyage d'Auguste, ça se passe bien. Je crois qu'Alvaro, il veut venir. Bon, allez. À demain. Par ici pour vider mes trucs. Bon, alors je sais pas trop comment je vais faire, il m'arrive une galère. Le placard, il est coincé. Le placard est coincé et il ne veut pas se déclencher. Il ne veut pas, alors là. Ok ? Donc il a du mal à revenir, mais... Ah, ça se fait. Alors attends, si je dévisse celui-là. Ok. Ici. Mais non, ça ne veut pas. Pourtant, je suis bien vissé. C'est bon. Grâce à la pince. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Ben si, pourtant, sauf que, qu'est-ce qui se passe comme problème? Ah, ben non. Non. Mais, ah ben non, mec. Bon, ben ça marche. L'arrivée au château, on est dans la forêt, c'est un peu sport quand même avec, avec le camping-car. Bon bah j'espère que c'est la bonne route, a priori le GPS il dit que oui. Ça doit être cool, l'hiver ici ça doit être rempli de champignons, oh là 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 là. Que de bonheur. Ah, je vois des voitures là-bas, alors où est-ce qu'il est ce château là? Ah ben. C'est beau. La vache. Ouais, c'est beau. Waouh. Thank you.
coup, on n'a pas souvent de balade. C'est très bien. Du coup, ça okay. fait une belle balade. Ouais, bah ça fait. Ça ah roule, oui, je te raconte un truc immense. Ah oui. De hier soir. Donc hier soir, on était en train de jouer, puis ça a fini plus ou moins en bœuf, parce qu'il y a des musiciens du coin qui jouent au Miramar, des jazzeux, et puis bah, du coup, ils sont venus faire le bœuf. Cool. Ouais, voilà. Et en plus de ça, il y avait un Anglais et sa femme qui étaient là en bateau dans le port. Okay. Figure-toi que le mec, c'est un musicien de studio à Londres, il est enregistré, il joue sur tous les disques d'Eric Clapton et tout. Ah ouais, la vache, la brute quoi. La brute, mais en fait, attention. Oui, oui. 62 balais, mais... Bon, et puis il était un peu drunk, donc... Ouais, et puis de toute façon, après, c'est des musiciens de studio qui sont... C'est les musiciens. Blues, voilà, variété, tout ça. Voilà, bon, un peu fan de West Montgomery, de Bossa Nova, quand même. Ouais, cool. Mais bon, on n'a pas pu jouer grand-chose, si tu veux, mais bon, le mec, trop fan, ouais, t'es super et tout. tu viens à la maison, tu viens à Londres, tu viens avec ton camping-car, et tout, machin. Je t'emmène en studio. Enfin, le mec, il était un peu grave. Bah oui, c'est ça, il promet plein de trucs, mais ils sont bourrés. Tu le rappelles demain, puis là, ah, what? Non, il s'est abonné au voyage de Pusky. Yes, bah, ouais, c'est l'occasion. Un, deux... Puis bah on se retrouve sur la route ce soir. Voilà, parce qu'on va pas tout mélanger quand même, on va pas tout filmer, puis de toute façon les gens ils aimeraient pas qu'on les filme pendant le mariage. Donc voilà, on va se retrouver je sais pas où ce soir. Bon bah c'est cool, finalement je me suis spoté à Redon, voilà, au bord de la Vilaine. Elle est pas belle la Vilaine. Non, je plaisante. C'est cool, Redon, il est Vilaine, petite cité de caractère. Je sais pas combien d'habitants. 10 000 peut-être. Voilà. Donc là on est au bord de la Vilaine. Et puis bah ici, il y a un parking un peu gratos. Quoi. Voilà, puis bah Auguste, il est là. Là, il y a les voisins qui mangent. Moi je vais peut-être aller boire l'apéro, là je vois un bar là-bas. Peut-être aller boire un petit coup, aller tester. On est samedi, quoi. Ça doit être ouvert j'imagine. Bon, allez, à plus tard. Ouais, c'est chouette, quoi. C'est le canal de Nantes à Brest. Le canal de Nantes à Brest, il passe à Redon. Et du coup, il traverse la Vilaine. Alors là, on est un peu en contre-jour. J'espère qu'on voit... Bon, je vais aller de l'autre côté, puis je vais filmer de l'autre côté. Alors ici, c'est l'île et Vilaine. On le voit dans le département. Hein. Donc, il y a des drapeaux bretons partout. Et là, on passe la Vilaine et hop, bienvenue en Alais, Loire-Atlantique. Et c'est Saint-Nicolas-de-Redon qui est en Loire-Atlantique. Et voilà, toujours le canal de Nantes à Brest ici, là, qui passe là. Voilà, c'est pas mal, c'est bon. Bon, ils veulent pas me servir au bistrot, donc je rentre au camping-car. Et voilà le travail, faire une petite salade peinard. Hey, 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 hey. Bon, allez, il est 9h. Salut Redon, ciao Redon. Voilà, je vais peut-être m'arrêter déjeuner quelque part ce midi. Voilà, je sais pas où encore, sur les bords de l'Erdre ou les bords de Sèvres. Et puis rentrer à la maison après. Pourquoi? Parce que hey, ce soir, c'est la finale de foot, quoi. Donc c'est un peu le big événement pour tous les Français là. Les Français sont en finale de la Coupe du Monde, c'est énorme. D'ailleurs, je sais pas si on voit là dans la vidéo, là, il y a pas mal de gens qui ont mis des drapeaux français aux fenêtres et tout. Ils sont pas nationalistes, hein, ils sont juste fans de foot.
Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas si je vais prendre des images sur la route. On verra. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Muscadet. Bon, ben voilà, ici s'achève cette vidéo. Je vais me rentrer dans mes pénates et puis on se retrouve bientôt parce qu'avec Chloé je pense, et puis les Jeanne et Clémence, on va prendre Auguste, Bubule, pour partir en vacances. Voilà, je sais pas encore où on va. On a parlé d'aller dans les Alpes, mais il y a trop rien de définitif parce que l'avantage en camping-car, c'est qu'on peut partir à l'aventure. Donc ça serait dans tous les cas, on va partir à l'est, vers l'est. L'année dernière on est parti dans le sud, donc là on part à l'est. Alors ça peut être l'est, ça va de Amsterdam à Venise. Donc ça laisse quand même une assez large palette. Une assez large palette de voyage. Donc voilà. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, comme d'habitude, des pouces vers le haut, comme ça, ça nous aidera à être un peu plus référencés, puis ça serait bien d'avoir des abonnés, plus d'abonnés, toujours plus d'abonnés, si vous aimez bien notre chaîne, hein, bah, même si vous aimez pas. Ah non, je rigole. Bon, allez, à bientôt, ciao, ciao.